Je m'appelle Olivier Zanetta, je suis rédacteur en chef de VOTV, la télévision du Val d'Oise. Avant de travailler en télévision, j'ai évolué en radio et en presse écrite. J'ai notamment collaboré pour Les Échos, Le Monde et Libération. Et je suis également réalisateur, auteur de documentaires. Je suis Christophe Rigaud, je suis réalisateur et journaliste pour VOTV. On est un média multicanaux, donc on trouvait important d'apprendre aux étudiants que ce monde de la communication était en plein mouvement, qu'il était en train de muter avec les nouveaux médias. L'audiovisuel est de plus en plus présent dans les médias, surtout sur Internet. C'est un média qui est de plus en plus utilisé. Et donc, il me semblait intéressant que les étudiants aient une formation, une initiation, au moins à l'audiovisuel. J'enseigne les techniques journalistiques, presse écrite et audiovisuelle. Mon métier, c'est d'apprendre aux étudiants à savoir identifier une information, à la décrypter, pour ensuite la reformuler au mieux sur un article, sur le web ou également en télévision. L'idée, c'est faire en sorte que les étudiants aient le bon réflexe pour faire des images de qualité. Et puis ensuite, j'interviens aussi au niveau du montage, essayer de maîtriser un petit peu l'outil de montage, parce que tourner des images sans les monter, cela n'a pas de sens actuellement. Le parcours, c'est à la fin de l'année, une émission de télévision qui s'appelle « Demain la com », qui réunit un peu tout le savoir d'une année. Et là, dans cette émission, ils peuvent être à la fois chroniqueurs, mais aussi tenir la caméra pendant une émission. Ils réalisent aussi des reportages, des interviews pour cette émission. L'audiovisuel est une vraie plus-value pour les étudiants de la licence professionnelle. C'est un outil qui est de plus en plus utilisé. Et avec cette formation, ils sont en mesure de réaliser des petites vidéos. Donc cette formation en communication de proximité et nouveaux médias a un vrai intérêt pour les entreprises. C'est que très rarement, on met autant dans un cursus la partie technique journalistique. Et pourtant, la communication, ce n'est pas simplement savoir parler, mais c'est aussi et surtout de plus en plus savoir écrire. On a le sentiment aujourd'hui que ce n'est pas utile avec l'Internet. Et pourtant, si, entre les mails qu'on rédige, être présent sur les réseaux sociaux, on écrit constamment. Et quand on écrit, on passe le message de l'entreprise. Et pour ça, il faut savoir l'identifier, le formuler. Et plus que jamais, on a besoin des techniques journalistiques. Si la vidéo est un petit peu plus complexe, être en mesure de faire appel à un prestataire extérieur et être vraiment l'interface avec ce prestataire, parler le même langage, comprendre toutes les problématiques d'un tournage audiovisuel. Nos étudiants au sein de cette licence sont très bien formés à ces métiers de communicants parce qu'aussi ils maîtrisent le journalisme et demain ils s'adresseront à des journalistes et ils devront aussi savoir écrire comme des journalistes.